Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de colis Amazon. Donc pour être honnête, ça fait environ 36 heures que j'attends mon colis. Voilà, donc il est là. Donc évidemment il est ouvert parce que je suis allée chercher mon colis en fait chez mon point relais habituel. Et en fait, il s'est avéré que le livreur a abîmé et ouvert le colis et regardé le contenu. Donc, j'ai récupéré le colis tel quel, évidemment. Et évidemment, il manque des articles. Mais du coup, j'ai fait un recours. Je vais être remboursée par Amazon. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu de ce que j'ai commandé. Donc, j'ai pu enfin trouver les full blenders de la marque 40Dash. Donc en plus ils ont augmenté de prix. Donc la première fois je les ai payés 5€ et là je les ai payés 10,90€. Ensuite j'ai enfin reçu les 20 cartes postales à colorier message d'amour avec la couverture La Belle et la Bête. Ensuite j'ai eu Bébé animaux en carte postale également avec Bambi. Ensuite, le Happy Dogs de la collection Dessin et Tolera. Voilà, je continue cette petite collection là. Ensuite, j'ai reçu un livre de coloriage auquel je suis un petit peu déçue. Donc, c'est un livre sur le Japon, donc les illustrations elles sont très jolies. Voilà, je vous le montrerai en présentation. Donc il est très très joli, c'est pas le problème. Voilà, mais je l'ai payé 7,95€ et en fait je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit du papier d'imprimante. Voilà, donc il y a bien 60 coloriages, mais je m'attendais absolument pas à ce que ce soit vraiment un livre comme ça. Heureusement que les illustrations qu'il y a à l'intérieur rattrapent vraiment le coup. Et ensuite, j'ai pris un petit cadeau pour mon neveu qui n'a rien à voir avec le coloriage. Mon neveu qui a 8 mois, vu qu'il est fan de trop, je lui ai pris ce petit coffret. Donc, on va regarder ensemble le Happy Dogs. On va avoir deux ou trois illustrations ensemble. Les illustrations sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup. En plus, sur fond noir, on peut même les encadrer et les plastifier facilement. Voilà. Donc, hop. Ok. Sur ce, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, comme vous le savez, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Gros bisous mes amis.